à nouveau envie de parler de cette question terrible de l'aspect éphémère de l'amour dans notre société. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive jamais à rester? Pourquoi moi, j'arrive jamais à rester? Et donc, je suis parti sur l'adaptation de ce vieux livre, et ça me permettait de le réactualiser. Beaucoup de choses ont changé depuis 15 ans. Il y a l'arrivée d'Internet, du téléphone portable. Tout ça n'était pas traité dans le roman. Il y a aussi le fait que j'ai 15 ans de plus, donc j'ai pris des notes depuis. Et je trouve que c'est une chance extraordinaire de pouvoir corriger un livre déjà sorti. Mm-hmm. Au fond, ça n'arrive jamais. Quand un livre est terminé, il est en librairie et c'est trop tard. Et bien là, en faisant le film, il n'était pas trop tard. J'ai d'ailleurs pu changer pas mal de phrases du livre, en garder certaines, mais aussi en faire évoluer d'autres. Mais l'écriture est possible dans plusieurs langages. On peut écrire en japonais, en russe, en français ou en images. Ce sont des langues séparées. Et c'est intéressant, je crois, quand on aime écrire, de s'essayer à différents types de langages. L'écriture de scénario est très différente de l'écriture romanesque, mais elle offre une autre liberté. Et puis, vous avez cité Marjane Satrapi et David Fuenkinos. Ce sont des écrivains contemporains. Mais rappelons tout de même que dans l'histoire du cinéma, énormément d'écrivains ont pondu de grands chefs-d'œuvre. Je pense à Sacha Guitry, le premier, Marcel Pagnol, Jean Cocteau. Je me compare pas du tout à eux, mais c'est pour dire que, en fait, des écrivains qui passent à la caméra, il y en a eu dès le début, il y en a toujours eu. Ça fait partie de l'histoire du 7e art. L'avantage du cinéma, c'est que ça permet d'avoir une cinquantaine de personnes autour de soi qui vous aident, qui sont généralement plus douées que vous dans leur domaine. Le décorateur, le chef opérateur, la première assistante, la script, connaissent leur boulot évidemment beaucoup mieux que moi, qui débarque là-dedans, mais en même temps, ces 50 personnes-là vous font profiter de leur savoir-faire. Et quand vous savez l'histoire que vous voulez raconter, en particulier dans le cas de L'amour dure 3 ans, puisque c'est une histoire personnelle, à ce moment-là, je crois que ça tient chaud et c'est très agréable d'avoir du monde autour de soi. Voilà.